C'est un Noël qu'on a appelé Fantaisie napolitaine et pour lequel on a passé commande à un compositeur napolitain, Salvatore Della Vecchia. On joue vraiment le jeu de la création et c'est ce qui nous intéresse, avec un effectif vraiment typique aussi de l'instrumentarium napolitain, à savoir des mandolines et de la percussion. Donc on est, et puis alors un chanteur, un vrai napolitain, Nando Citarella, qui nous amène vraiment dans cette vocalité napolitaine avec une voix droite et en même temps très lyrique. Donc on est vraiment, là, c'est un voyage dans l'Italie du Sud, Naples, où on a exactement les ambiances et les couleurs de ce Noël à Naples, quoi. Non, c'est un petit voyage, entre la tradition classique napolitaine, mais aussi la joie et la tradition du Noël, avec les chansons qui, normalement, à Naples et autour de Naples, on commence le 8 décembre à les chanter, jusqu'à le 6 janvier. Nous, dans ce programme-là, on partage le programme. La première partie, c'est Noël, le classique, la tradition du Noël. Et la deuxième, c'est les chants classiques que normalement, à Noël, et pas seulement à Noël, ils font dans les familles. Tout le monde y chante. Noi cantammo la santa allegrezza, Maria bellezza maggiore ci fa, se l'è incarnato il verbo di Dio, lasciando a Maria la verginità. Cosa importante, cosa importante, lo padre, lo figlio e lo spirito santo. Cosa importante, cosa importante, lo padre, lo figlio e lo spirito santo. Quando tu capi da fosse regina, l'uocere le stelle facesse stupire, quando l'ondisi Giuseppe devoto cercavano un luogo per partorire. Cosa ce prega, Giuseppe Maria che cerca la fede. Cosa ce prega, Giuseppe Maria che cerca la fede. Donc, bon, déjà, l'idée, c'était vraiment de porter un bout de la tradition de Noël et un bout de Naples, ici à Marseille. Donc bien sûr par la musique, par la voix de Nando Citarella. Il y a eu énormément de compositeurs populaires et classiques qui ont composé des pièces justement pour la période de Noël. Donc sur scène, on a réuni l'OAPM, l'Orchestre APEC de la Méditerranée, une maîtrise de Marseille, les petits chanteurs de la Major, et donc une soliste aussi, Muriel Tomao. Donc voilà, un final tout en couleur, grandiloquent, à l'image de cette musique festive et voilà pour fêter Noël de la plus belle des manières.